Louison n'a que quelques heures de vie, mais sa maman sait déjà que très tôt, elle lui mettra des petits livres entre les mains. Je pense vers un mois, deux mois, commencer déjà à l'intéresser avec des livres, etc., avec d'autres jouets, etc., dans le parc ou des choses comme ça, on avait pensé à ça. Découvrir les images, les textures et plus tard les mots, le livre n'est pas un objet comme les autres. Et pour cette association d'orthophonistes, il participe au développement du langage chez les petits. On présente le livre comme ce vecteur de langage, de communication, d'échange. C'est un lien, ça peut être un lien privilégié avec le parent. Ça peut s'intégrer petit à petit dans le rituel du soir et où du coup, voilà, il y a des interactions de langage. Afin de sensibiliser les familles à l'importance du livre et de la parole qui l'accompagne, l'association participe toute la journée à l'opération nationale Un bébé, un livre. Un cadeau pour chaque nouveau-né bien accueilli par les parents. L'occasion pour les professionnels aussi de lutter contre l'illettrisme. Il peut y avoir aussi la question financière qui entre en jeu et ça, c'est l'occasion pour nous d'expliquer que les médiathèques existent, les ludothèques existent et que ce sont des lieux aussi tout à fait accessibles pour tous et importants pour les enfants. Bonjour. Forte de son succès, l'association Parole Pays de la Loire compte renouveler l'opération chaque année.